l'organisation des ateliers multidisciplinaires de suivi des patients qui sont en collaboration avec différents centres de référence, monde pédiatrique et monde adulte, et pour lequel l'association est présente, parce qu'il y a des journées d'éducation avec des ateliers. Ensuite, le lendemain, il y a une consultation. Donc là, c'est un bon exemple de collaboration entre l'association et le centre de référence. Un exemple précis, ceux qui découvrent, voilà, qui viennent d'être diagnostiqués, même si le diagnostic est posé, pour autant, je dirais que leur parcours démarre. Et nous, l'objectif, c'est surtout de les orienter vers le centre de référence, qui est notre priorité, ou les centres de compétences, de manière à ce qu'ils soient correctement pris en charge, de manière pluridisciplinaire. Que ce soit les médecins traitants, que ce soit les kinésithérapeutes, que ce soit les dentistes, ne connaissent pas tous toutes les maladies rares, il y en a plus de 7000. Concrètement, lorsqu'ils ont un cas, un patient, venir avec une documentation en disant « voilà, j'ai cette maladie », et pour vous kinésithérapeute, et pour vous dentiste, voilà ce que ça signifie. Voilà, ça c'est un rôle qu'on en a de collaboration avec l'expertise. Alors, dans l'autre sens, c'est effectivement parfois, il y a des études cliniques qui sont menées par les experts médicaux et ils ont besoin de patients volontaires. Donc aussi, de faire partie de l'association. Alors, ils ont aussi leur liste, mais nous, en complément, ils nous sollicitent de manière à ce qu'on envoie des appels à patients volontaires. Donc, dans ce sens-là aussi, l'expertise attend que l'association se fasse le relais au travers de nos membres pour avoir aussi un panel de patients qui correspond à leur étude.